Salut, c'est Tuarno Lover. Qu'est-ce que c'est la femme idéale? La femme idéale, pour moi, c'est déjà celle qui va pas vous tromper de gauche à droite. Parce que c'est toutes des choses, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. De deux, qu'elle soit économe. De trois, qu'elle fasse toutes les positions sexuelles par les trois entrées principales. Plus les deux oreilles, ça fait cinq entrées. Et qu'elle amène aussi une copine, une très belle si c'est possible, pour faire un petit planning à trois. J'ai passionné par tout ça, mais bon, hein, j'habitais Ainay, j'ai été visiter Cimetière plusieurs fois, et je te jure qu'il n'est pas hanté. Évidemment, ça, c'est le rêve de tous les mecs, hein? J'allais dire moi aussi, mais vous savez, Joe Arnaud ne boit jamais, jamais, jamais. On ouvre la grille et un bouteille. Ah, comme ça. La femme idéale, n'empêche, moi je l'ai vue. Hein? Ouh. Enfin bref, vraiment le truc d'horreur, quoi. Hein? Ouah. Bah! Comme ça qu'on entend. Toujours ce bruit ce drôle de bruit là. Et puis là on voit une boîte étrange avec une croix d'antichrist renversée. Si, je t'avais dit qu'il y avait des trucs étranges ici. Mais t'aimes bien t'avoir peur, Suzanne, avec tes conneries. Comme un canard, ça a l'air mal. Ça faudra aller mieux. Hein. On ouvre la boîte. Bien que mal. Qu'elle faisait la boîte. Je dis, moi je veux pas cette boîte-là, je vais tapater. Je vais tapater. Et un sou. Elle dit, si j'avais bien regardé dedans. Je dis, toi, regarde d'abord dedans. Elle regarde dedans, puis elle me le montre. Je regarde comme ça, tout doucement. Et vous savez ce qu'il y avait dedans? C'était Eduardo, le lover.